nos pérégrinations, nos tribulations tout au long de la Côte d'Azur. Et tout au long de cette semaine, c'est à Menton, tout près de la frontière italienne, que nous allons rester. Vous allez, j'espère, découvrir un petit peu mieux cette région et cette jolie petite ville tout au long des 4 jours où nous allons y résider. Et aujourd'hui, passerons cet après-midi en votre compagnie pour commencer celui qui sera aussi l'homme à séduire. Je vous demande de l'applaudir, monsieur Bernard Ménez. Bonjour Bernard. Alors, nous faisons comme si nous étions des gens bien élevés à table autour d'une belle table. Nous allons faire un homme, une femme. Je voudrais vous présenter aussi une jeune fille très talentueuse, une nouvelle venue dans le monde de la chanson dite d'expression française, mademoiselle Gabrielle Roda. Bonjour Gabrielle. Et puis, il y a aussi celui qui vous fera rire et sourire, celui qui, pour ne pas dire entre guillemets, a quitté le point virgule où il réside quasiment depuis le début du mois de juillet. C'est André Valardi. Bonjour André, il y est tous les soirs à 21h30 et passé par Menton cet après-midi avant de rejoindre le point virgule dès ce soir. Et puis je voudrais vous présenter Hélène aussi. Hélène fait partie du cirque Grus. Elle est acrobate et je vous reparlerai d'elle dans un instant pour une raison un petit peu plus particulière. Ce que je voudrais vous signaler aussi, c'est que dans l'émission d'aujourd'hui, il y aura une très très spectaculaire séquence tour de force de Jean-Michel Dagné avec de la cascade à moto. Vous aurez aussi des nouvelles de Julio Iglesias à travers des concerts qui se dérouleront très bientôt à Monaco et bien d'autres choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'Hélène, tout à l'heure, va effectuer de l'acrobatie circulaire, pendulaire plus exactement, sur corde. Et pour ça, nous avions besoin de la complicité des pompiers qui gentiment avaient mis à notre disposition une grande échelle de façon à ce qu'elle puisse pendre sa corde. Mais il faut dire que depuis à peu près une heure, les pompiers ont fort affaire à Menton puisqu'un incendie de forêt vient de se déclarer. Et actuellement, 40 pompiers sous la responsabilité. Hélène du cirque Arlette Grus, que nous retrouvons dans quelques minutes avec Isabelle Duhamel dans un AZM. Mais tout d'abord, je vous demande d'applaudir Bernard Ménez et André Valardi, qui sont deux des invités de l'émission d'aujourd'hui. Quel délire! Mais quel délire! Alors dites-moi, j'aimerais qu'on parle d'une petite comment chose. Parce que très bien, et Alain Lanty, plus difficile. Ça va se corser, là. Je ne le sais plus. Si vous voudriez être à ma place, voici les deux titres qui vont s'affronter. Gabrielle Roda. D'accord. Gabrielle Roda est lyonnaise. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Elle a fait des séjours prolongés en Floride, au Mexique. Oui. Elle suit un petit peu les influences musicales de tous ces endroits-là. Elle a depuis le mois d'août à plusieurs reprises assuré une partie de la première partie de Patrick Bruel. Oui. C'est dire que les grands s'intéressent à elle. Et je pense que vous serez aussi sensible à sa voix et à son charme naturel. Ça s'appelle Entre nous deux, le titre de la chanson. Aussitôt après la fin de cette séquence de La Gueule du Coin, André, je vous prends le micro pour vous tendre l'autre. À vous de jouer avec votre groupe. Merci beaucoup. Alors nous allons vous interpréter Ouvert des mains temps. De la Londres, toujours en direct, tous les styles de musique sont représentés. Je vous parlais de Gabrielle Roda il y a un instant, et après vous avoir mis l'eau à la bouche sur son talent et sur son charme, voici la concrétisation de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Gabrielle Roda. La pluie sur la Rochelle, à travers l'arc-en-ciel, ça donne envie de rêver, ça donne.
love the look of you.